J'espère que je vais pas me faire bouffer, je vais courir direct. What? LOL, je peux fouiller des endroits, d'accord, ok. Oh merde. Il y a déjà des zombies là-bas. Vas-y, on va se les casser en deux. On ne meurt pas ou quoi? Ok, t'as le bug. Oh la gueule qu'elle a! Vas-y, je te casse les côtes. L'endurance, ça met tarpentin à remonter, c'est chaud. Oh! Oh là là! Je vais le faire dessus, toi. Vous manquez d'endurance, reculez! Je vais désactiver tout ça parce que c'est chelou. Il est où le flou cinétique? Il y est pas. J'ai rien mis en fait. Je me disais que ça me disait quelque chose, ça. Vite! Loupé! Allez, contre le poteau! Dans ton cul, vas-y! Ah, d'accord, je. Ok. D'accord, il y a l'item qui se casse en fait en bas, ouais, comme dans tous les Dead Island en fait. Cigarette. On peut fouiller les voitures ou pas, non? On va pas trop s'amuser avec eux. Oh, un zombie sportif. Zoomka. Ouah, mais il y a tarpé de monde, frère. Pourquoi il veut que je passe? Passe-toi. Il s'est cassé la gueule. Ok. Le truc débile qui sert à rien. Je suis retombé là où j'étais, ok. Oh bah oh. On peut pas passer. Putain, c'est relou, comment je fais pour aller chez elle là? Fallait obligé que je passe par le truc de zombie en fait, c'est ça? Ok, je suis obligé de taper tous les trucs là. Ah, peut-être à partir du toit. Oh, on peut monter là. Nice. Je peux monter sur le poteau? Nice. Je me rappelais plus de ça. Attends frère, monte pas trop haut. Ben voilà, c'est cool. Salut Zer. Salut Zer. J'espère que ces pourritures comprendront jamais comment grimper sur une camionnette. Je sais pas, en tout cas moi j'ai compris. Hein. Docteur? Eh oh, y a quelqu'un? Camden, tu es là? Je suis censé recevoir un vaccin. Quoi? Non, non, un inhibiteur. Ça s'appelle l'antizine. Ça bloque les symptômes. Assieds-toi. L'antizine retarde l'inévitable. Le GRE n'a pas pu faire mieux. L'inévitable? Donc, y a pas de remède? C'est une variante de la rage. Il n'y a pas de traitement pour l'instant. Mais je fais des tests sur l'antizine et sur des tissus infectés.
un vaccin est envisageable, c'est certain. Sans rire, vous pensez pouvoir le trouver ? Avec l'aide du docteur Camden, oui, je crois. Où j'ai mis cet injecteur ? Qui est le docteur Camden ? C'est un collègue, coincé dans le secteur zéro, là où l'épidémie s'est déclenchée. On collabore par radio. Mais on aurait progressé bien plus vite avec une liaison de meilleure qualité. Et si mes expériences avaient porté leurs fruits, j'ai essayé d'injecter des versions du virus recombinées dans des bouts de viande disséminés dans toute la ville. J'espérais que des infectés les mangeraient pour pouvoir observer et enregistrer les résultats. Ça n'a pas marché. Ah, ça n'a rien donné. J'ai honte d'avoir perdu autant de temps là-dessus. Quoi qu'il en soit, plus besoin de garder de l'antisine en stock. Bon, je suis très occupé. Tu peux y aller maintenant. Où j'en étais, moi ? Ok. Travaille ta vitesse. Raïm, Zeré m'a examiné et fait une nouvelle injection. Super ! Ça devrait te maintenir un moment. Tant mieux parce que je commence à aimer te donner des ordres. Alors, l'entraînement commence vraiment. Va parler à Spike. Tu le trouveras près du camion de Zeré. Il a du boulot pour toi. Qui est Spike ? Spike Mir. Spike, je suis Crane. Encore de la main-d'œuvre au rabais. Super. Boucle-la et écoute. Il y a deux types de livraison. Dans l'une, il y a de la nourriture et du matériel médical et de survie. L'autre est bourré d'antisine. Le GRE va nous prévenir de leur arrivée en nous envoyant une vidéo. Le problème, c'est que ces livraisons d'antisine sont généralement récupérées par les gros bras de Rice. Et sans elles, nous sommes morts. Rice et ses gars n'opèrent qu'en journée. Parce que sortir la nuit est le meilleur moyen de se faire tuer. Mais les deux prochaines livraisons d'antisine auront lieu ce soir, au crépuscule. Brecken veut les récupérer. Ça sera peut-être notre unique chance d'atteindre le parachutage. Et mon rôle, c'est quoi ? Je te l'ai dit, sortir de nuit, c'est du suicide. Ou du moins, ça le serait, si depuis des semaines, on ne préparait pas des zones sécurisées et des pièges. Brecken et son équipe ne risqueront rien ce soir si tu sors d'ici et que tu actives ces pièges. C'est ça, ton rôle. Très bien. Où se trouvent les pièges et comment je les active ? Tu verras. Je te guiderai en permanence. N'oublie pas, sans ces pièges, Brecken n'a aucune chance. Et s'il ne rapporte pas l'antisine, c'est la fin. Avant de te lancer, prends quelques pétards. C'est moi qui les ai conçus. Ils sont très pratiques pour détourner l'attention en cas de soucis. Ok, ben j'aimerais bien pouvoir les prendre, mais... Ah. Prenez des pétards. Comment on utilise des pétards ? Ok, préparez un piège. Lalalala. Alors, les butins sont la clé de la survie. Ok, fouiller les cadavres, les coffres, les voitures abandonnées, les meubles et même les poubelles pour trouver des composants de création, des armes et de l'argent. A, pour utiliser votre instinct de survie, identifiez les objets que vous récupérez. Ok, explorez le monde à la recherche des coffres verrouillés laissés par d'autres survivants. Ils se trouvent généralement sur les toits, hors de la portée des zombies, ils contiennent des armes ou autres objets de valeur. Ok. Lol. On en parle ou on en parle ? Prends ce poids. Ok, maintenant qu'est-ce que j'ai d'équipé ? Pas qu'est-ce que j'ai d'équipé ? J'ai pas une sorte de arme, d'accord. Tuyau, tac, tac, tac. Récupérer. Déposer, démonter, améliorer, sélectionner. On peut améliorer déjà ? Ok, astuce. Vous pouvez améliorer les caractéristiques de votre arme en ciblant des dégâts. Ok. D'accord. Faut trouver les plans, c'est comme Dead Island. Okay, par contre, j'aimerais bien savoir les armes. Ça se passe comme ça chez le Mac. Ok. Ok, ok, ok. Je vais avancer un peu ça. Donc ça veut dire qu'à tout moment, je peux fouiller n'importe qui, je peux taper n'importe quoi. Ah.
faudra que je fasse gaffe, hein, parce que je vais me faire péter en 4 secondes, moi. Ah, en plus, je peux le spammer, le truc. Oh là là, c'est magnifique. Ok, bon, à un moment, il va falloir que j'arrête de tout récupérer aussi, parce que sinon, ça va piquer. Comment je vais faire pour monter là-haut? Vous avez des points de compétences non utilisés. C'est fat ça. Oh. What, t'es sérieux? Oh, le mec, c'est un singe. Oh, je kiffe. Ça, je surkiffe, je crois. J'adore. Ok. Oh, je trouve direct des trucs et tout. Vous avez des compétences à dépenser. Choisissez une des arbres de compétences auxquelles affectez vos points. Bah, maintenir, ok, pardon. Alors. Survivant, agilité, puissance. Ah, j'en ai qu'un. Vous permet d'accéder à des aptitudes de plan et de gadgets pour augmenter votre niveau de survie. De survivant. Notre survivant est relevé des défis, des niveaux élevés, plus équipement. D'accord, ok. Donc là, actuellement, j'en ai un qui est kit de survivant. Apprenez à fabriquer des objets basiques pour la survie. Crochet, pétard, shuriken, simple et cocktail molotov. Au calme, je veux. Nice. Qui débloque 3 arbres, 4, 5 arbres, ok. Niveau 5. Ok. Vous avez appris à... vous avez fabriqué... D'accord, j'ai appris à faire le crochet. Ok. Oh, putain. What? C'est un plan caché? Oh, déjà, je trouve une grosse mallette. Des cigarettes, putain, c'est tout ce que je voulais. Et plus le temps que j'avais pas fumé une petite clope. Non, sérieux, ils ont que ça à foutre de mettre des clopes ou. Oh, mon frère. De bruit, arrête, hein, tiens, mytho. Oh, une lame. Ouais, je veux. Putain, je suis bien là. Et du coup, pour sortir, on fait comment, gros? Bah, tout simplement. C'est fat. Ok. Ah, j'ai cru que j'avais cassé mon... Allez, petit singe, on y va. Tiens, d'abord la voiture. Ouvre le capot et branche la batterie. Ça activera le piège. Ok. Préparer un piège pour la mission. Ici, Chad. Okay. Y a quelqu'un dehors? J'ai besoin d'aide immédiatement. Je suis dehors. Un boulot pour Spike. Tu t'appelles Crane? Écoute, un de nos traceurs transformait une de nos planques pour l'émission. Il est sur un terrain près de Vefa et de Myrmar. Les zombies sont partout. Il faut que tu l'aides. Très bien, je m'en charge. Ok. Ce bruit.
Il y a tarpé un truc à prendre sur ce jeu, c'est abusé. Il marche toujours le coup de pied sauté de... Nice. Ne parle plus. Oh, ça sent le piège ça, non? Oh, les débiles. Oh, ça me fait des points, ça me fait des points. Allez. Mort de rire, mec. Succès intouchable. Je viens d'avoir un succès, je vais pas demander. Bon, mais s'ils viennent tous, écoute, tant mieux. Allez viens, fais pas ton chimique. Bon on arrête, c'est bon, on arrête les conneries. Quoi? On arrête pas? Bon, ça fait un petit peu du mal toi ça. C'est nice tout ça. Ça va me plaire sans ce jeu là. Je sens que je vais mettre des pièges partout, gros. Ok, il y a encore pas mal de mobs là. Alors, une question que je me pose. Je vais mettre là déjà. C'est est-ce que si je mets l'inventaire, les conneries du genre. Ouais, c'est bon, ça me le joue en pause. Alors, niveau d'agilité, de toute façon, j'ai qu'un point donc. Attends. Esquivez les attaques en sautant en arrière sur le côté, déplacez-vous de... D'accord. Appuyez sur espace pour exécuter cette action, ok. Et ensuite, donc niveau puissance, apprenez à attaquer avec une grande précision. Chaque coup porté à une arme contendante, d'accord, à la tête d'ennemi est une chance d'aller tourdir, ok. Pourquoi pas. D'accord, ça marche uniquement sur les côtés, mais c'est fat. Je t'esquive. Ok. Nice. Ok, va falloir encore monter sur le toit. Oh, je t'avais pas vu toi. Salut. Ça me plaît, hein. Franchement, je vais pas vous mentir, les premières minutes sont toujours. Oh. Crochetage. Pour crocheter une serrure, déplacez le crochet. Elle fait tourner avec Q pour ouvrir si le crochet se met à vibrer. Voilà, oh là, ça sent le truc à la Skyrim, quoi, à l'ancienne. Oui, j'essaye de tourner, il se passe quoi? Oh, le truc à la Skyrim. Oh non, mon vieux! Oups! Plus crochetage, moi, voilà. Ok, ça sent le truc à la Skyrim. Putain, j'aimais pas ces trucs. Wesh, avec ça vaut quoi, gros? En pleine nuit, tu flippes comme une biatch. Oh non, mais dis pas ça. T'es sérieux, gros? Ah, d'accord, les gens vont se languir qu'ils fassent que nuit juste pour me faire péter, quoi. Ok, si je me casse la gueule. Ah, mais je peux sauter là, non? Ok, Jade, je suis sur place. Oh putain, je me suis infecté. Fais gaffe à toi, Grain. Ah, mon gars, j'ai sauté tarpin en fait. Comment je me raise?
Ok, y a pas une touche plus. Qu'on pouvait faire ça. Quoi qu'il y avait cette action. Oui, j'allais dire qu'est-ce qui tue le mec là. En fait, c'est une chanson. Merci gros. Je crois que pour lui c'est fichu. Hop là! Merde. Ne laisse pas souffrir. Ok, c'est fait. Bon Dieu. T'avais pas le choix. Il n'était déjà plus humain. Magne-toi, tu dois encore allumer les lampes. C'est le seul moyen de sécuriser l'endroit. De nuit. Non, pas de nuit. Je veux pas la nuit. Presque. Laisse-moi une seconde. Ok. Petit espion de merde. Merde. Non, je me coince là. Ah d'accord, c'est bon de savoir ça. Tarpène de mort. Monte, 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 monte. Je vais voir ça tout de suite, mec. Couteau long, couteau court. Ok, j'ai pas assez. Il me manque deux piles en fait. Pour faire un taser. Deux piles et je peux faire un taser. Ça, j'ai pas assez. Crochet. Ah, je pouvais en faire des crochets en fait. Cocktail Molotov, je vais en construire un. Ok. Par contre, y'a pas une roulette ou une connerie du genre ex pour voir les armes. Je sais pas si tu sais, gros. Shuriken aussi, je peux faire. Non, pas du tout. Je peux plus rien faire en fait. Je peux faire que des crochets actuellement. Et je vais garder pour l'instant ça, ouais. C'est Crane. Au rapport. J'ai rencontré le docteur, un scientifique. Il s'est fait un labo dans une sorte de remorque et travaille sur un remède contre le virus. Il s'appelle Zéré. Alors, vous me recevez? Affirmatif. Ajout d'un second objectif. Maintenez votre couverture et mettez ces notes à l'abri. Confirmé. Mais le fichier volé reste ma priorité, on est d'accord? Affirmatif. Il est peu probable qu'un chercheur travaillant seul dans une remorque parvienne à des résultats concluants. Mais si c'est le cas, nous voulons les voir. Jade, c'est fait. Bien. On devra préparer davantage de zones sécurisées comme celle-là. Spike te les marquera sur ta carte. Et Crane... Merci. À toi, Spike. Pour l'instant, tu dois revenir à notre mission principale et activer le prochain piège. Il y a une autre voiture à proximité. Compris. La rue grouille d'infectés. Et tu en déduis quoi? Dégage de la rue. Essaie de rester sur les toits, là où ils peuvent pas t'avoir. Spike, il y en a plein autour de la voiture. T'as encore des pétards, non? Jette-en quelques-uns dans le tas. Ces crevards se laissent facilement distraire. J'imagine que c'est logique pour... En fait...
Comment je le sélectionne? Ah mais j'aurais dû le lancer ailleurs en fait, le con. Quel débile. Allez, casse-toi de la voiture, toi. Il y a un paquet, hein, ça m'émet. C'est réglé, Spike. Continue comme ça, tu devrais y arriver. Le piège suivant n'est okay. pas grave. Je devrais pas avoir à te le préciser, mais tu fais pas choper à découvert. Spike, ces monstres sont partout. Comment je fais pour utiliser un piège en cas de besoin? Tu peux pas. Je te l'ai dit, ils sont réservés à l'opération de nuit. Et merde. Ok. Ok, merci gros. Merci gros. Ça fait plaisir, mec. Parce que là, je suis en galère, je comprends pas trop. Salut. Une corde, c'est bien ça, on va pouvoir se pendre. Qui veut que j'aille? Il veut que j'aille de l'autre côté? Je sais pas si tu es là toi aussi, Ex, j'ai une sorte de vieux flou bizarre sur le jeu. Je trouve ça trop laid, frère. Comment je fais pour monter? Ah, c'est un jeu de... Le mec, c'est un singe. Ah oui, je mène une vie très risquée. Oh, fuck. Oh putain, j'ai atterri sur la gueule, mais qu'il est en train de boire son café, tranquille. Je vais retenter le... Tu la griffe. Ah! Nice. C'est celle que j'utilise actuellement ou... Je peux en refaire un. Putain, j'ai toujours pas de pile. Qui de soin, j'ai pas de gaz. Putain, je vais en créer un. C'est ça, ouvre-toi. Oh yeah. Nigga. Ok, je kiffe.
Donc tu m'as dit que c'était tab. Du coup, est-ce que je peux jeter... je vais... Mais Mordorir, maintenant ils te disent comment tu fais pour le truc. Ok, déposer. On peut pas le placer là-dedans. Hein. What the fuck, je comprendrais. Équipement, nanana. C'est ce que j'ai dans le sac à dos, ok, mais comment je fais pour les mettre à sélectionner peut-être? Ok, c'est bon. Et là, je choisis l'emplacement.